Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, c'est Elkino et il s'agit de la découverte de Drizzlepath Genie, qui est, je sais pas si c'est la suite ou le préquel de Drizzlepath, il y a plusieurs jeux du style. Le jeu m'a été offert par Noah, merci encore beaucoup à Noah. Et on est parti pour cette découverte. Je veux perdre mon progrès, oh oui, perdons les progrès. Je sens que dans ce jeu, il faudrait être un génie. C'est possible. J'espère que ça va pas être si évident que ça, quand même. Je sais qu'il est assez court. On le finira pas aujourd'hui, évidemment. Mais s'il est assez court, je pense que on le continuera, histoire de le finir. Déjà, il faudrait que ça se charge. Ça serait... Vendu Zwin, bon bah cool. Tu nous prépareras ça... Tu vois, c'est chaud un petit peu. Once upon a time, isn't that how stories are supposed to begin? That is how my mother always began her stories. But why can't they end that way? Because the ending is usually when the promise of everlasting happiness is proclaimed. What are stories if not the memories of our people? And if memory is any clue, there is no guarantee of happiness. Is it just a myth that there is any such thing as happily ever after? Memory is a broken mirror, fragments of reflective glass and fractures of light, gleaming in brilliance for a moment before fading forever into vague washes of soft color and deepening shade. Sometimes, the harder we try to focus on them, the more they fade and slip from our grasp. Beautiful shards that, when taken all together, make us who we are. Memories or dreams. Sometimes it is impossible to tell the difference. Okay. Drizzle, c'est un crachin. Je pense que dans ce contexte-là, ça peut peut-être être pris pour le chemin sinueux, en fait. Je pense que quelque chose qui va se faufiler. Après, je me plante peut-être, mais difficile à traduire, je pense. Effectivement, à bien. C'est joli. Il y a un filtre assez. Il y a un filtre qui fait que. C'est joli, c'est bizarre. Bon. Une bruine ou un crachin. C'est pas pareil. Ok. Ouais, c'est un walking simulator, hein, a priori. Donc. C'est vraiment une histoire dans laquelle on se balade. Last night in my dreams, a mysterious wizard came to me. He spoke in a foreign voice, a series of strange sounds that formed a single word. In that word was a message that I understood. He said that I had been chosen, and at the same time, cursed. Lula, he said, because of your gifts of both endurance and vision, you have been chosen to retrieve the sacred relic of your people. The genie. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Ah, je peux sauter, dis donc. Faut que je fasse le tour, peut-être. Et sinon, peut-être que World Reference donnerait une bonne traduction de Drizzlepath. Remishmush. Je capte pas là. Mm-hmm. Je peux pas. The journey of the care. Putain. La voix fait charmante, ouais. Ouais. Juste que la voix pour l'instant n'est pas très expressive, c'est une impression. J'arrive pas du tout à. J'arrive pas à tout suivre. Ouais, c'est peut-être écrit un peu petit, le caractère. Donc je sais pas à quoi ça sert, ça. Il y avait un truc, j'ai pas envie de le lire parce que...
est en anglais. Normalement, nous sommes censés être en français. Pourquoi inspirer chacun son style de voix? C'est vrai. Après, vu que toi, Twista, t'as pas l'habitude des voix anglophones, c'est peut-être ça aussi. Hein. Mais ouvre la barrière. J'appelle Aladdin, mais lol. Quelle barrière? Attends, je vais retourner. Je sais même pas pourquoi on peut sauter, puis qu'on peut pas sauter au-dessus des barrières. Je fais clic et E. Ça sert à quoi le clic gauche? Ça sert à reculer, d'accord. Apparemment, je peux pas ouvrir ça. Et l'Aladin. Et là, j'ai essayé de cliquer. Qu'est-ce qui est fait là, quoi? C'est ce que ça veut dire que c'est moi. Encore une bleuette, d'ailleurs. Il est où mon chat? Il est où mon chat? Il est où miaou? Ok, je sors. LOL! Je sais pas, il y a une corde à la barrière. Ouais, mais on peut pas agir dessus, a priori. Et c'est le fait qu'elle soit anglophone. Ouais, voilà. Si, bah. Alors, le texte, ouais, j'ai essayé aussi. Marche pas. Je sais pas pourquoi. Salut, félicitations pour tes 2 ans. Merci beaucoup, Tails. Merci. Et bienvenue ici. J'espère que tu vas bien. Je sais jamais si t'es français ou francophone ou anglophone, mais voilà. Je parle français. Bienvenue à toi. Là, y a rien. Pour l'instant, ça me fait penser à Ethan Carter, Bisounours. Bon, je pense qu'on va sur le chemin et puis qu'on peut pas sprinter. On peut sauter, mais on ne peut pas sprinter. On dirait un jeu VR. Ouais, je pense qu'il doit se jouer à VR aussi. Mais c'est un ce qu'on appelle un walking simulator, un simulateur de marche a priori. Juste une histoire où tu te balades. Et c'est vrai que ça se prête pas mal à la VR et la réalité virtuelle utilise but beaucoup ce genre de choses. Ouais. Another wizard who wants the genie for himself has cursed you with the inability to run. Even now, he makes his way to the top of the mountain to claim it as his own. You must reach the genie before him and learn its purpose, its power. For if he takes possession of it, you will be further cursed with the inability to walk. You and your people will never again be free to choose your own path. Ok, donc en fait on a été maudit et on peut pas courir. J'aime bien que ça soit expliqué le pourquoi il n'y a pas de sprint. J'aime beaucoup. Je suis gliésien. Je tire de la planète Gliese 596. Ça me dit quelque chose, ça. Dis donc, c'est pas un truc qu'on a fait aujourd'hui. T'as aimé Solus Project? T'as pas fait de faute. Non, si t'as fait tab, y a pas de souci. Fais TA, tab. So make haste, child. Do not tarry. Though the path is long, it is the shortest. Though the path is not easy, it is simple. Though you walk alone, fear not. I will be with you. But you will soon have an important choice that only you can make. And that choice will make all the difference. Thus, I woke to a morning of light drizzle, and under the soft light of early dawn, began to walk towards the mountain of fire. Okay. Ah oui, c'est vrai, je t'ai pas souhaité un bon streamversaire pour tes 2 ans. Merci beaucoup, Mishmush. Merci. Mec, ça fait déjà 2 ans. Le temps passe vite quand on est vieux. Lol. Les menteurs, ils ont juste utilisé table. Tape toi-même. Lol. Bon, la musique est jolie, mais il va falloir qu'elle change aussi. Hein. J'ai l'impression qu'on est dans un anime. Ça fait vraiment musique Final Fantasy. Life in the village has fallen out of balance since the genie disappeared.
Before then, we had the freedom to choose our own paths in life. But now they are decreed by the shamans when we come of age. There are hunters and fishers, collectors and keepers, weavers and walkers. Only one path has ever been chosen for each person, until me. The shamans decreed that I am both weaver and walker. Ok. Je savais pas que TAP c'était contre les règles. Oh, c'est joli. Ça, franchement, c'est joli quand même. J'aime beaucoup le filtre qu'ils ont mis sur ce qu'il y a à distance. Enfin, on a une distance de vue assez impressionnante, je trouve. Oh, je vais y tomber. Weavers do not just weave fish baskets and blankets, they are also weavers of words. Poets and storytellers, they keep the history of our people and weave their words into the warp and woof of every textile. Walkers are the wanderers and wanderers, the dreamers and askers of questions. They are the seekers of whatever light they may find to illuminate the darkest corners of hearts and minds. Of all that have walked away from the village, none have returned. D-586 est une exoplanète asynchrone avec son soleil, du coup elle est chauffée que d'un côté. Il y a notre peuple qui vivant de côté ensoleillé, mais les autres qu'on appelle Zglul, sont des monstres difformes qui prient le grand calmar cosmique. Ce serait pas un... Je ne sais plus. Pas me regarder dessus, ou Avia dit pas fait de faute. Avia a mis des majuscules, donc il a pas fait tape. Ah, yes. GG, Avia en fait. Bah, c'est pas bizarre, on rigole. Rigole. Bon. Ah, changement de musique, changement d'ambiance ou pas? Et ouais, c'est étrange pour l'instant. C'est quoi, c'est les papillons qui est en face? C'est aussi bizarre qu'avec le clic droit on puisse faire. En fait, on augmente le champ de vision, quoi. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Quand je bouge, ça fait brut brut. C'est des lucioles. Il y a les vertes là, et il y a les rouges là. Et le brouillard, mais il est bien fait. Mais il est bien fait ce brouillard. Mais c'est du beau brouillard ça, madame. Quand même. On va vert ou rouge? Ah, mon pseudo, j'étais le gouré. Poum Poneko. Ça fait très très jeu vert. Déjà le dialogue à côté de la nana. À côté de la caverne tout à l'heure, c'était assez bizarre dans la distance, c'est vrai. Bon, les côtés verts. Hein. Est-ce que. Petit côté fire, ouais, j'en suis le promenade là. J'aime bien, ça détend. Bah, c'est ce que je voulais justement après Super Fight. Je me suis dit, Super Fight, ça va peut-être me filer un mal de crâne. On va faire un jeu qui détend après. C'était fait pour en fait. Et j'ai un demi mal de tête. Pas un complet. Donc ça va. Ça pour Elkino, le chat en folie. Ouais, le brouillard, c'est un microclimat. C'est que sur 2 mètres carrés. Ouais, mais c'était du gros brouillard. Du beau brouillard quand même, de la belle brume, du beau, de la belle buée. Est-ce qu'on revient en arrière là? Et c'est joli. Après, ouais, Tales, au final, tous les jeux FPS se prêtent à... Hein? Pardon?
Avec Q, je peux faire quoi? Ah! Sans les mains! Avec. C'est l'autorun. D'accord. Ok. Donc le jeu est en train de nous dire attention, tu vas marcher vachement loin. Ok. Alors, j'aime bien les Walking Simulator. Il est pas VR, ok, d'accord. J'aime bien les Walking Simulator, mais il faut qu'il se passe des choses quand même. Là, il y a eu. Enfin, ça cause un peu, mais. Voilà quoi. Je dis. Ça paraît qu'il y a un peu plus de. Elle quitte à 9h34 de stream. C'est... Oh là là, que se passe. Oh, je sprint! Attends, je la refais la musique. Ah, okay. Pourquoi je peux sprinter là? Avec le cul, c'est sans les mains, ok, juste oh là. J'ai mis, je valide ça. Je valide. Jesse Quill, thank you for the host! I remember as a child, running with bare feet on the freshness of the world. I thought that none could ever lay bounds before me. I ran with joy among the head-high grasses and spent long days gathering up the foxtails and bluebells. I wove them with song into idols of innocence. Then I learned that we lay our own bounds by the choices we make. We invent our limits, give them names, and revere them with fear and awe. Oh la vache. Les effets. Ouais, le trigger audio, ça m'a fait marrer si c'est pas... Aïe! Aïe, mes yeux! La musique, on se croirait dans un Miyazaki. Ouais, c'est pour ça, moi, ça me fait penser à du Final Fantasy. Ou du manga, quoi. Enfin, d'anime. Allez, je coupe. Parce que je suis un ouf. Les gens, Eltilio, tu me donnes mal au cœur à faire tourner la caméra dans tous les sens. Mais c'est ma caméra, je fais ce que je veux avec. Y'a. Wouh! Ok. Oh là là, petit record, arrête de te plaindre. Heureux, il se plaint. Je vous rappelle qu'on est, on est toujours en mode raffle là. Donne un sac à vomir, si record. Désolé, si record. Je ne voulais pas te faire vomir. Mais une fois que t'auras tout vomi, il n'y aura plus rien à vomir. Ok. Quoi? What? Des carottes magiques. Quoi? Non mais, c'est... T'es sérieux le jeu? Pourquoi il y a des carottes qui brillent? Pourquoi il y a des carottes qui brillent? Et je peux même pas les prendre. Elles font de la musique aussi. Et qu'il faut suivre le bruit de la pluie. Ouais d'accord. Donc on est toujours en mode giveaway les gens. Point d'exclamation raffle. R-A-F-F-L-E. Participer. Juste avant les fêtes, c'est cool, tu fais de la place, c'est encore, c'est clair. Bon, c'est le problème des FPS en sur stream. Hein. Chacun bouge la caméra de façon différente. Après, c'est peut-être que le champ de vision est assez réduit, peut-être. Y a pas de d'enjeu. Et encore, j'ai pas mis le mouvement de la tête. Hein. Attention. Tant pis. Ok. Même c'est pas les carottes qui brillent, c'est que tu veux absolument les attraper. Bah ouais, mais on monte des carottes qui brillent. Je suis un joueur. Et en tant que joueur, ok, c'est l'objectif. Prendre les carottes qui brillent. Pourquoi? J'en sais rien, mais elles brillent. Donc ça veut dire que. Il faut que je fasse quelque chose. Change pas juste pour moi. Non, t'inquiète, de toute façon. Bah, moi, je préfère que le FOV soit plus large. Hey Jesse, welcome here. How you doing? Salut. Welcome to our little 12 hours to. How do you say that? Fuck. I can't find my word, I don't know why.
We're doing it 12 hours because it's my 2 years of streaming. It's the 2 years of the channel, so welcome here. We're live until 8 p.m. your time. Oh, 8 p.m. EST. Spring is my favorite season, when foxglove and bluebells fill the fields and wakes me in a reverent temperance. I walk with awe in what seems to me the first garden of innocence. But we know that story always ends in exile. Still, spring holds me in her pallid modesty. Her sanguine nights sing me alive with hopeful expectation. Spring is a dormant beauty that wakes herself with thunders, reticent and wanting. Okay, respecte toi, t'es pas un âne placarde sur le dragon de feu. Mais s'il y avait un dragon de feu, j'irais sur le dragon de feu, mais je serais armé d'une carotte. Okay, la carotte qui brille. Voilà, c'est tout. And for those who don't speak English and are here, we're in a giveaway mode, so you can type exclamation mark raffle, RAFFLE, to participate. Have a chance to win a little Steam key. Lol, Francky, coucou! Francky, comment vas-tu? Un paquet est tombé de la cheminée. Oh, un paquet qui vient de tomber de la cheminée. Ok. Ok. Alors, attends. J'espère que ça... Je vais à le tab. Ne vous inquiétez pas. Ça va... Il va y avoir un no signal. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. 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 Et nous allons voir. Mais... Oh, yes. Mais... On n'a pas fini le 1 encore. Merci beaucoup. Merci, Koima. On n'a pas encore fini Resident Evil 1, mais tu m'offres le 7. Merci beaucoup, Koima. Kurox. Juste pour le chat, tes découvertes et ton humour, tes streams me manquent. Je voudrais être là plus souvent si je pouvais. Je sais bien, Twista, merci beaucoup. C'est un compliment, un énorme compliment que tu me fais. Un énorme merci à toi. Yay, Resident Evil! Re-Blacky! Re-re-re. Koima, c'est le Papa Noël d'Elki, ouais. Ok. Alors. On y retourne. Ça va refaire pareil. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Celui-là va faire peur, ouais. Mais il faut encore faire. Il faut faire Resident Evil. We have to finish Resident Evil 1. And then play the 2nd, 3rd, 4, 5, 6. Then to play the 7. So on doit faire Resident Evil. On doit finir le 1, puis faire le 2, 3, 4, 5, 6. Avant de pouvoir faire le 7 quand même. LOL. L'herbe qui bouge ressemble à un public de stade de foot qui saute partout. Sérieux? Ah, je vois ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire. Tire encore. Bon. Santa is the win. Qu'est-ce que c'est que ça? Sauter dessus? Oh, c'est vraiment l'archétype du Walking Simulator, hein, parce que y a pas grand chose à faire à part marcher. On va suivre le chemin. J'étais pas parti, je suis sur Isaac en même temps. Ah, Blacky, tu disais tout à l'heure, t'avais dit que t'allais manger en fait. Mais c'était il y a longtemps en fait. J'ai pas fait gaffe, désolé. Je joue à la démo du set et personnellement j'ai beaucoup de mal. Ok. Ok. Bon, et puis les gens, si jamais vous comprenez l'anglais. Et que vous ne suivez pas encore la chaîne de Jessie Quill. As if unsure of herself, the languid roots of spring slowly unmire themselves, sallow in the vegetable black. Slow, but strong enough to cast out the quick of winter and buckle stone. This is the scent of warm rain, exhaling her heart in quiet resignation, a verdant whispering of sprouts. Her tremulous love opens rivers and savages veins. In any event, by the casting off of clouds, she seems certainly resigned to shine. Walking Simulator avec Altiné, c'est plus running. Ah bah écoute, ils nous ont débloqué la course. C'est pas pour rien, je pense. Parce qu'au début, on était maudits, on pouvait pas courir, on était comme ça.
je peux y aller comme ça, si on... donc je disais, si jamais vous ne suivez pas Jesse Quill, ben vous devez le faire si vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais. Parce que c'est une streameuse qui rocks énormément. Elle fait plein de jeux, elle fait pas mal d'indépendants. Et maintenant, elle a même fait du, elle fait du Dead by Daylight aussi. Je pense que. Je sais pas, Pomme, si t'as été la voir, si t'as fait du Dead by Daylight. Elle fait ça tout récemment. N'hésitez pas à aller, aller la suivre. Jesse rocks, exactly. Et je ferai jamais des aussi beaux shoutouts que System Shock, mais le cœur y est. I was just saying that I won't do any. I can't do a shoutout like System Shock is doing, but my heart is in it because Jesse, you rock, indeed. Ok. Bien, je remets le sprint en Siro, je suis désolé. Hein. La nature du terrain, on dirait un tableau de Van Gogh. Ah, il y a un peu de ça, ouais. Ça fait vraiment... ouais, c'est vrai. Il y a un peu de ça. Par contre, je me demande vraiment où on va, quoi. Elle fait le jeu du massacre en tueuse, c'est si cool. Ok, je vais tirer le gagnant dans... Dans 3 minutes. Si vous n'avez pas... Tapez pour l'exclamation raffle pour participer au giveaway. N'hésitez pas. C'est le dernier appel. Last call for the raffle if you want to type exclamation mark raffle. Go go go. Merci Pomme pour le lien. On continue, hein. The winter long we waited with patient urgency for spring's pristine rhythms to break the spell of frost. Her feast of lights and flowering fires. Announce a promise fulfilled. Lol. She holds me in her lightness, delivers me from heavy knowledge, and sings me sweetly to love. I surrender, unwanting, in the gentle accord of propagation. Her strength is in her long sleep, when awakens the animal soil, harnessing the sun itself. Koima, t'es un ouf. Je voulais quand même la laisser finir. Koima, t'es un ouf. Voilà, y a pas d'autre mot. Koima qui fait un don de 80 euros et qui dit joyeux Noël. Juste ça. Bah, joyeux Noël à toi aussi, Koima. Merci beaucoup. Je vais plus rien dire, je suis un gros là. Mais non, t'inquiète, Siro, y a pas de souci. Hey, System Shock, welcome here. Ok, Jess is great. Koima, tu t'aides. Merci beaucoup. Je comprends pas grand chose en anglais, mais si elle qui dit que c'est bien, je le crois. Ah bah oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Mais même si. Tu verras. Va la voir quand même, Blacky, même si tu comprends pas. Je pense que tu t'apprécieras quand même sa présence sur le stream. En fait. Merci beaucoup, Koima. Je sais pas quoi dire. Tu me chauffes, Koima. Non, Hesperis, non. Et de toute façon, Hesperis, t'as pas de... Voilà. Koima, il y a 400... un truc de fou. Bref. Hesperis, je cherche même pas. Je sais même pas. J'avais dit que je regarderais à combien t'es. Koima tend le vase. Des fleurs à Koima. Bah oui, forcément. Ouais, c'est un super cadeau de Noël, ouais. Super cadeau de Noël. Mais Koima est un ouf. Y a pas d'autre mot. Oh, y a un truc là-bas. Y a un truc là-bas. System Shock, welcome here. I hope you're fine. Thank you for the host as well. C'est super chelou. System Shock, feel free to... to type exclamation mark raffle if you want to participate in the raffle. We're in a giveaway mode at the moment. So, go, go, go. You'll have 1 minute. 1 minute, allez, dernière minute pour le raffle, pour l'exclamation raffle si vous n'avez pas participé. Frankie, je sais pas si tu l'as fait. Okay. C'est super, c'est une statue en fait. Euh,
Il a des ongles assez longs. Ok, ouais. Il a des griffes plutôt, on va dire. J'ai mis un petit follow cool, merci Blacky. Should I have walked to the left from the... Ah oui, d'accord, ok. Est-ce que j'ai le choix? He said me, Jess. And I... well, system, I told Jesse first. You were not here yet. So, sorry. C'est la pierre, la statue, ouais. Bon, allez. Spring wakes and gathers herself about me in tangles of light. When it rains, rains she in me, generating new life among the stones and monuments. When she sleeps, dreams she in me, casting out the shade and rot. When she sings, sings she in me, when her voice and everything after colors me so beautiful. When she rises, rises she in me, holding me in her waking and opening to me the virgin sky. C'est super bizarre comme jeu, comme Walking Simulator. Je préfère des Ethan Carter et compagnie que ça, pour l'instant en tout cas. C'est joli, hein. C'est bon. C'est bon, le personnage est très très près du sol. Il est près du sol, c'est une nana. Après, je sais pas. Je sais pas, on peut sauter. C'est possible. Nom de Dieu! Non! LOL! Mais arrêtez! Et Marc, t'as gagné, ouais. Hespéris! Non! Hespéris se cache. Mais LOL! Hespéris qui donne 100 euros et qui dit joyeux Noël! Merci, Hespéris. Thank you for subsidizing my entertainment, Hespéris. Hespéris, tu vas pas t'y mettre aussi. Apparemment, ça suffit maintenant. Stop, suffit. Joyeux, c'est très bien. Très bien. Merci. Quand si Hespéris et Kojima s'y mettent tous les deux, ça va être. Non. Non. Top. Merci beaucoup. C'est pas compris qu'est-ce qui se passe, Elkito n'a pas eu le temps de lire. Je sais pas trop en fait. Je sais pas trop en fait, j'avoue. Je suis un peu hors du jeu là. Pourquoi, je sais pas. Faites vos batailles de donations sur ma chaîne histoire de pas spammer Elki, lol. Donc Marc, ouais, GG, tu as gagné, tu choisis le jeu qui tu veux. I don't know where Elkino gets the idea I'm a good caster, but I'll allow it, I guess. Jesse vient, a dit, je sais pas où Elkino a été chercher l'idée que je suis une bonne streameuse, mais je vais quand même autoriser le follow, j'imagine. You are a good caster, period. There's no discussion about it. T'es absent que je reviens, je vois mon pouce. Maybe he meant to donate you shooting me. Hespéris, merci beaucoup. Le qui se cache dans le canapé a peur de se prendre un lingot sur le coin du crâne. Stop. Hespéris, merci beaucoup. Pour les 20, ça fait les 20 euros de plus. Et qui fait ho ho ho. Ça me fait penser à... Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait penser à Emily Wants to Play, ça. Et lol, Blacky. Merci, Hespéris, encore. Stop. Seriously. It's okay. Ok. Donc je sais pas de quoi il s'agit. Je suis pas le jeu, là, en fait. Je vous avouerai. Si quelqu'un a capté un petit peu ce qui s'est passé... N'hésitez pas à le dire.
Voilà. Parce que, ouais, c'est enfin, pour l'instant, jeu contemplatif à... avec un monologue. Bizarre. On va changer d'ici 10 minutes. J'aime bien. Dis-le là, par contre. Et je vais me taire. What are these ruins? Who built them and when? In the absence of information, the mind imagines what it will. Perhaps it is a monument built to commemorate something lost, or the beginnings of a city aborted in cataclysm. Perhaps it is a shrine built by acolytes of a long-forgotten principle, now gone from the world. Though I have never been here before, it feels familiar to me, perhaps in a dream. Ok, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une trame. De ce que j'ai compris, elle se balade et elle commente un peu tout. Mais je pense pas qu'il y ait une vraie... un but pour l'instant, en tout cas. Ou alors je l'ai loupé. Ça paye la marche, dis donc. Mais lol, Koima. Personnellement, j'ai fait quelques jeux comme celui-ci et j'aime Everybody... Ouais, Everybody's Gone to the Rapture. Et Ethan Carter. Ces deux-là, ils sont trop bons. Y a pas photo, quoi. L'autre que tu as fait, ouais, c'est Ethan Carter. The Vanishing of Ethan Carter. La disparition d'Ethan Carter. Celui-là, il rock bien. Firewatch aussi, il est très bien. Firewatch est un peu moins Walking Simulator. Parce qu'il y a quelques trucs à faire, quand même. Il est un peu plus actif, Firewatch, quand même. Et il rock pas mal aussi. J'ai joué aussi à Leviathan, The Old City, et je me suis endormi devant même. Putain, c'est joli ça. Et là, ça me saute à la gueule. Et ça me fait plus penser à justement à Leviathan, The Old City. Léviathan, la vieille ville, allemand, français. Je vous conseille d'aller le voir si vous voulez me voir m'endormir. C'est assez c'est comique. Ça fait plutôt penser à ça parce qu'il n'y a vraiment rien à faire. Et une histoire à moitié philosophique, c'est vraiment bizarre. Ça ressemble un peu à Skyrim, l'environnement. Ouais, c'est l'architecture. Je faisais un peu penser à Skyrim aussi. Tout à l'heure, la statue me faisait penser à Dovahkiin. Ah tiens, Everybody's Gone to the Rapture. Faut que je retourne dessus pour le finir. D'ailleurs, j'y vais de ce pas. LOL! Oh là là, Blackie, mais si tu le finis, il faut que tu éteignes toutes les lumières, que tu te mettes au casque et que tu coupes le stream. Hein. Parce que la fin de celui-là, elle est tellement poignante que ça serait une honte que tu te mettes pas dans l'ambiance. Bon, en tout cas, c'est joli. C'est joli, la musique est sympathique. Elle est un peu mieux maintenant qu'au début. C'est vrai que j'aimerais bien... j'aurais bien aimé... c'est plutôt le chemin. Ouais, je le suis, mais je zigzague, quoi. C'est vrai que j'aurais bien aimé... J'aurais peut-être dû essayer de capter un peu plus l'histoire. Oh, il y a un ange, là. Je peux plus sprint, là, par exemple. Ouais. Oh, je joue démon. Tu es bon ou mon démon? Ben Carter, il est un peu plus actif aussi alors par rapport. Ouais, par rapport à Everybody's Gone to the Rapture un peu plus, ouais. Il y a même un truc qui fait peur dans Ben Carter. Ouais. Là, je fais un détour, je reprends le chemin.
Même sur PS4, il est trop beau le jeu. Bah, il est sorti sur PS4 en premier, en fait. C'était une exclusivité PS4 pendant un an, je crois. 9 mois ou un an. Qu'est-ce qu'il y a là? Et les lumières, c'est un peu... Enfin, les effets lumineux sont un peu exacerbés, je trouve. En tout cas, ouais. Ça m'intrigue, et vu qu'il est assez court, je pense qu'on le finira à l'occasion en live aussi. Probablement sur un live nocturne. Là, t'as pris quelques pulls avec toi pour Ethan, là. Ah, la musique de Everybody's Gone to the Rapture, c'est la... Franchement, ça met des frissons, ça m'a... Ouais. Dreams are the graven gods of memory. Whispers of our world seen through cubed glass. So said the potter on one of my many visits to his workshop. He spun clay and mud into useful vessels, but his passion was glass. His shop was filled with glass vessels and ornaments of every color. Flooded with light, his shop itself became a dancing chromatic prism. Every vessel was filled with a colored liquid, and I wondered at each one in turn. Ouais, elle décrit sa vie passée. Et peut-être dans ce qui semblerait être... on a des ruines là, et j'imagine qu'elle elle a probablement vécu avant quand c'était pas des ruines. Là, qui c'est ceux qui ont fait Machine for Pig? Je suis pas trop flippant. Il est pas un peu flippant Machine for Pig? C'est Amnesia? Une maison. C'est un alchimiste. Bah, c'est ce dont elle parlait en fait. Je peux pas ouvrir la porte en fait. C'est ça qui est un peu frustrant par contre. C'est que. Manquerait juste qu'on puisse rentrer dans les maisons, ouvrir une porte, faire un petit clic gauche ou un petit E. Ça mange pas de pain, mettre des textures et trois chaises à l'intérieur, ça mange pas de pain, je pense. Et ça aurait peut-être été un peu plus... aurait été peut-être un poil plus actif. Pour se dire, tiens, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à la maison là-bas. Voir ce qu'il y a à l'intérieur, hein, s'il n'y a pas des vestiges du temps passé. Mais là, non, enfin, on peut pas ouvrir les portes, quoi. Non. Sur ce, urgence au boulot, je dois y aller. Ah merde, bah bon courage Spiris, bonne soirée, merci énormément encore pour les donations de ouf. Et bon réveillon, et puis bah, reste à l'affût sur Steam et sur Twitter si jamais je ninja pendant le week-end, je préviendrai là, parce que de base, il n'y a pas de live, mais peut-être quand même. Ciao ciao, bisous à toi. Okay, Qu'est-ce qu'on fait après? Ah bah après c'est Heroes of the Monkey Tavern. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Hop. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Réveillons Data Center, je crois. Ah merde. Bah t'as bien un écran et un ordi. Lol. Ok. On va trouver un point de... On va s'arrêter là. Je kiffe la zik, les chants comme ça. Enfin bon. Save and quit. Est-ce que ça va quitter le jeu complètement ou pas? Bonne question. On va dire que oui. Donc si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, c'était Tilkino, c'était la découverte de Drizzle Path, génie. Je te donne rendez-vous